C'est une intro mimée, parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en fait. Vous savez parfaitement ce qui va se passer, vous avez compris. Bon, bienvenue dans un concept exceptionnel. Merci infiniment d'avoir cliqué. Dans cette botte de foin se trouve une aiguille, comme la fameuse expression. Une aiguille dans une botte de foin. La prod a dissimulé l'aiguille à l'intérieur. Pourquoi j'explique cette intro? Tout le monde a compris le concept. Il y a une aiguille dans une botte de foin. On va devoir la trouver. Celui qui la trouve remporte de l'argent de poche. Rien de 10 000 euros. 10 000. Comment ça va se passer? Vous avez raison de poser la question. Ce n'est pas moi ni les gars du crew qui allons chercher l'aiguille dans la botte de foin, mais bien des abonnés sélectionnés sur le volet. Donc très simple, je vais accueillir 4 abonnés, 2 filles, 2 garçons. Ils vont chercher l'aiguille dans la botte de foin, espérant remporter les 10 000 euros. Et avec Étienne, Yvan et Thomas, nous allons les coacher, c'est-à-dire que chacun d'entre nous aura un petit poulain, un petit abonné, et on va essayer de s'affronter au travers de différentes épreuves, et si jamais on gagne ces épreuves, on pourra apporter à notre abonné un bonus ou un malus si on a perdu. Cette vidéo est sponsorisée par le sang de la veine du YouTube Game. Alors faut pas me laisser tout seul comme ça au montage, par contre il faut mettre un effet avec, tu sais, genre le logo NordVPN et qui s'élève dans le ciel comme ça, genre... Bien sûr, au montage, tu m'as laissé tout seul au début, sinon la vanne ne marche pas. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, merci infiniment à eux. Depuis le temps que je vous parle de NordVPN, essayez-le, parce qu'il y a 30 jours satisfait ou remboursé. Et on connaît les satisfaits ou remboursés, tanani tanana. Là, non, non, pas de tanani tanana. Tu appelles NordVPN, il y a un service après-vente en français, tu dis écoute-moi, Michel, je souhaite annuler. Michel, il dit pas de soucis, et il te le dit en français, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc tentez le coup. Bien sûr, il y a aussi l'éternel accès à Netflix dans tous les catalogues de tous les pays du monde entier, et même à certains programmes de télévision qui sont payants en France mais qui sont gratuits dans d'autres pays. Vous voulez regarder un championnat de Formule 1? Et bah vous vous connectez dans un pays où c'est gratos, grâce au VPN, et vous pouvez le regarder gratos. C'est ça la vie NordVPN. Ma vie a changé depuis que je l'utilise. J'en fais trop? Ok. Nouveauté NordVPN, lorsque vous vouliez vous connecter sur des serveurs en France pour sécuriser votre connexion, et bien vous aviez le serveur de Paris, et maintenant vous avez un nouveau serveur, c'est le serveur de Marseille, voilà, pour ceux qui sont dans le sud. Comme ça vous aurez une connexion encore plus rapide. Téléchargez NordVPN, tentez le coup si vous n'avez pas encore sauté le pas. Peut-être que ça changera votre vie, vous serez peut-être beaucoup plus heureux. Le mec en fait trop. Premier lien dans la description, code AMIXM, c'est une promotion sur 2 ans et vous avez un mois supplémentaire offert. Merci, merci, merci NordVPN. C'est parti pour la vidéo, j'accueille mes invités. Waouh, mais quelle position naturelle. Le crew. Yvan, ouais. Il a trouvé un gag. Merci de le souligner. Donc c'est... Vous l'avez bien posé le gag, il était... Oui. Ouais, belle botte, hein. Belle botte, une belle botte, ouais. Aussi appelé au Roomballeur dans le game. À l'intérieur, il y a... Oui, je crois que le titre est assez clair. Oui, tout à fait. On va les accueillir, ouais. D'accord. Accueillons tout à fait maintenant. Je vous propose de vous immiscer. Ah oui, ils sont pas au courant du tout du concept. On leur a juste dit, vous avez 24 heures devant vous. Bonjour, installez-vous. On les applaudit. Il y a de la post-prod aussi. Waouh. Le niveau de stress, bien sûr, est présent. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être dégustés. Comme d'habitude, à 3, si vous pouvez dire votre prénom en même temps. 1, 2, 3. Victor. C'est affiché, vraiment. Sinon, c'est pas audible. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce concept. Il est d'ores et déjà incroyable. Je suis vraiment très heureux. Derrière vous, vous avez remarqué qu'il y a Thomas. Mais aussi... Faut laisser deviner. Une botte de foin. Trop tard, je l'ai dit, c'est sorti tout seul. D'après vous, le concept, c'est quoi? Je pense... Vas-y. Ça sent l'aiguille, non? Lance-toi. L'aiguille dans la botte de foin, ouais. Vous voyez l'expression, là? Expression qui, d'ailleurs... Petite voix off, histoire. Non, mais il y a une voix off, histoire, j'adore. Comme papy qui est des hannetons, qui est une expression incroyable. Voici l'histoire de l'expression l'aiguille dans la botte de foin. L'expression trouver une aiguille dans une botte de foin a été employée par Madame de Sévigné, épistolière française, en 1652. Mais elle pourrait être en réalité beaucoup plus ancienne. Elle souligne la grande difficulté d'une tâche et se prononce en allemand de cette manière: Die Nadel im Heuhaufen suchen. En anglais, de cette manière: To look for a needle in a haystack. Et en russe, pour votre plus grand plaisir: Что искать иголку в стоге сена. Voilà, c'est tout pour l'histoire de l'expression trouver une aiguille dans une botte de foin. Je vais donc pouvoir arrêter de pratiquer cette voix journalistique un petit peu caricaturale qui devient très inconfortable. Ah bah je le savais pas moi. Ouais, moi non plus. Tu savais pas notamment parce que t'es pas dans le montage et que t'as pas non plus... J'ai pas encore l'info. T'as pas l'info, ouais. C'est vrai. Regardez la caméra, pendant que je vous annonce la suite de la nouvelle, la personne qui trouve l'aiguille dans la botte de foin remportera 10 000 euros. Ouais bah oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, ils attendent depuis une heure dans la cave à côté. Et ils ont sympathisé, forcément. Vous avez créé des bonnes relations qui viennent automatiquement d'être détruites après l'annonce. C'est fini. Du lot. Parce qu'il y aura quelqu'un de très content et trois personnes meurtries à l'intérieur. Effectivement. Bon, je vous résume rapidement ce qui se passe. Nous avons expliqué les règles aux abonnés et formé des duos de manière aléatoire. Nous avons donc quatre équipes, Thomas et Victor, Yvan et Brice, Étienne et Léa, et pour finir, Marine et moi-même. C'est donc reparti pour la suite de la vidéo et l'élaboration des stratégies. Derrière nous, une botte de foin. Tu viens de découvrir le concept. Ouais. Est-ce que déjà, tout de suite, tu as envie de gagner 10 000 euros ? Oui. Donc ça te ferait plaisir. Toujours utile. Voilà, toujours pratique. Bon alors. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Victor ? Crypto-monnaie, ouais, direct. Tu seras en crypto-monnaie ? Ouais, une bonne partie. Une petite voiture, ça dépanne toujours pas mal. Ok. Est-ce que t'as une stratégie comme ça au premier abord ? Moi j'avoue, ça fait 4 jours que j'y réfléchis, parce que je pense à ce concept. Aucune idée, je viens de découvrir, alors je suis perdu là, tu m'aides pas ? Bah en fait, je pense que la stratégie, c'est surtout que chaque partie dans laquelle tu vas chercher, faut que tu sois sûr qu'il n'y a rien dans ce que t'as cherché, pour vraiment l'éliminer, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Qu'on retrouve pas l'aiguille. Exactement, ça serait très con, tu vois. Oui, je sais pas s'il y a une strat en fait. Hein. Enfin, ce qui est sûr, c'est que genre si tu vas comme tu trouveras pas. Enfin, je veux dire, en soi, elle faut analyser. Elle peut être là. Elle peut être partout, mais moi, sincèrement, j'en ai aucune idée de où elle est. Vraiment, c'est pas une blague, je m'engage à te payer les tapis de sol. C'est vrai ? Donc dis-toi que là-dedans, il y a une voiture et là-dedans, il y a des tapis de sol. D'accord ? Bon, voilà, c'est bon, il y a une équipe qui est faite là. Voilà. Mais je pense, enfin, je sais pas. Mais moi, j'aurais tendance à prendre un paquet et à faire genre, ok. Je sais pas. Ça va être très long. Ça va être insupportable. Mais voilà quoi, 10 000 balles quoi, faut y aller quoi. Est-ce que t'as déjà fait ce jeu chez toi ? Pas du tout. J'ai jamais, pas beaucoup de ballots de paille chez moi. Ça me rassure. Hein. C'est oui, que tu n'es pas un malade mental. Finalement. Hein. Bon courage. Ouais, merci. Messieurs, dames, le moment tant attendu après une intro de 17 minutes est arrivé. Mais juste avant, un peu plus d'historique sur l'aiguille et la botte de foin. Non, c'est chiant. J'ai senti qu'il y avait certaines velléités, donc j'arrête. Historique juste sur le foin, mais pas l'aiguille. Arrête ! C'est chiant aussi. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir commencer à chercher l'aiguille dans la botte de foin dans 5. Oh putain, c'est maintenant. 4, 3, 2, 1. Chrono. Let's go. Ah ouais, non, mais là, tu... Tu en fais trop tout de suite, j'ai quoi. J'ai surjoué. Surtout, ne la fais pas tomber. Ne la faites pas tomber. Hein. Elle est si fragile, c'est une aiguille libérée. Hey, j'ai le gros bourrin de la bande. Il a déjà dépioté la moitié. Il y a déjà des techniques très très différentes. Hein. Hey, mais hey, Victor, il va passer à côté. Il prend des paquets, mon pote. Pour moi, il a tout compris, Victor. C'est toi qui as rien compris. Quelle est ta stratégie ? Je vais être précise. D'accord. Précise, bien chercher et bah voilà. Bon, je te donne quand même. Je pense qu'il faut éliminer une fois que t'as bien cherché, quoi. Une fois que t'es sûr que c'est pas un endroit, tu dégages la paille. Ouais. Alors ça, c'est la technique de mon poulain. Il a déjà retiré la moitié de la botte. C'est ce qu'on appelle dans le langage de l'aiguille la botte de foin, un gros bourrin. Merci Victor, c'est parfait. Mais pour le coup, genre vraiment, là t'as un petit faut trou. Que je t'aie, je ouais, voilà, aller. C'est ça. Hein. Non, mais si t'élimines pas, tu t'en sortiras jamais. Hein. Marine, regarde, j'ai été chercher une autre aiguille. Celle-ci ne vaut pas 10 000 euros, elle ressemble à ça. Ok. Donc je te la positionne, regarde. Non, bah non, mais... On l'a déjà perdu. Mais c'est impossible. Attends quoi ? Attends, j'étais avec mon téléphone. Merde. Attends, merde. Merde. Attends, je vais chercher un aimant, bouge pas. Merde, attends. J'ai chié. C'était où à peu près ? Là. Merde. Oh merde. Attends, je voulais lui montrer l'aiguille dans la botte de foin à quoi elle ressemblait, j'en étais chercher une autre, j'ai fait tomber dedans. Ah merde. Elle est là. Oh putain, ah, ça commençait très mal cette histoire. Et le pourcentage de la botte de paille s'affiche sur votre écran. Ah oui, quand même, c'est ridicule. J'ai Victor qui croit avoir ressenti quelque chose. C'est vrai ? Vraiment. Si on la trouve au bout de 5 minutes, cette vidéo sort quand même. Ok, donc y a pas de problème. Victor veut s'acheter une voiture. C'est vrai ? Avec l'argent. C'est vrai ? Du coup, je veux lui trouver un modèle et je me suis engagé à lui payer les tapis de sol. Ça, c'est sympa. C'est hyper c'est sympa de ta part. Mais là, regarde, il est dans le doute parce qu'il a senti un truc. Moi, ce qui me choque, Thomas, je me permets de prendre ta petite caméra de vlog qui a l'air très bien. Regarde la quantité de paille qu'il y a là, ok ? Ouais. Et regarde le trou d'où il l'a sorti. C'est pas cohérent. Oui. Ça veut dire que c'est très dense, cette merde. Ouais, c'est vrai. C'est horrible. Bonne chance, Victor. Bon, vous avez quoi, moi j'ai un crédit à rembourser.
si ça gagne 10 000. C'est vrai? Il y a une maison qui vient d'être achetée là. C'est vrai? T'as acheté une maison pendant le Covid alors que t'es intermittent du spectacle? T'es complètement inconscient! T'es un malade! Mais peut-être que ta chance est là. Là, tu veux dire? Là. Tu vois, je trouvais que là vraiment t'étais sur un niveau de précision et de méticulosité qui était très intéressant. Okay. Donc bravo et lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. C'est gentil. J'essaye de faire des commentaires à la Top Chef, mais c'est pas adapté. Pendant que nos chers abonnés cherchent l'aiguille dans la botte de foin, nous allons faire un petit tour des épreuves qui nous attendent afin d'apporter à nos convives des malus et des bonus. Nous avons ici ni plus ni moins un terrain de pétanque, tout simplement en un lancé, celui qui sera le plus proche de ce qu'on appelle dans le jargon très technique le cochonnet. Le cochonnet. Toi, tu connais? Bah, je suis un peu bouliste. T'es bouliste? Ouais. Tiens, donc. Oh! Il va y avoir un match juste après. Épreuve de tir à l'arc. Le premier un bonus, le dernier un malus. On continue. Ensuite, bien sûr, l'épreuve de mini-golf. Incroyable. Tout simplement. Non, mais la prod a réussi à faire un mini-golf en deux jours. C'est là, ça vous prouve qu'on peut tout faire. Tout est possible. Croyez en vos rêves. Ouais, exactement. Si vous avez un truc que Étienne voulait. Ah! Les petites voiturettes. Alors, ça, bah. On va pas pouvoir attendre le début de l'épreuve pour les essayer. On va tout simplement faire une course de mini karting tout autour de la botte de foin. Et bien sûr, le premier aura un bonus, le dernier un malus, vous commencez à comprendre la mécanique. Ah ! La dernière épreuve consistera en un juste prix. Il faudra deviner le prix de la botte de paille à l'euro près. Ça va mal finir. Dangereux cette merde. J'allais voir Victor. Bon, Victor, globalement. Le débit est bon, ça. Le débit est bon. Le débit est super bon. J'adore ta strat. Je regarde la cam pour le dire, mais cette personne est sûre à seulement 5% que l'aiguille n'est pas là. Mais par contre, lui, il veut éplucher entièrement la botte de foin. C'est génial. Je fais un petit créneau. Si on peut, au montage, on peut faire le bip bip de chantier. Moi j'aimerais poser une question simple aux abonnés. Est-ce que, et c'est tout à fait admis de répondre oui, est-ce qu'il y a un peu de regret? Légèrement. C'est honnête, Marine? C'est honnête. Je la prends, j'ai dit que c'était admis. C'est impossible, franchement. On a dit qu'à 5h du matin on arrêtait. De ouais, toute façon, c'est la deadline. Gardez cette deadline en tête, quoi. Tu l'as fait, c'est génial, j'arrive à me passer, je comprends que... Voilà, j'ai acheté une maison dans le Colorado, là, sur internet. J'ai ajouté au panier, mon pote, elle arrive mardi. Dans le Colorado, bien sûr, je suis pas bête. Messieurs, là, vous allez procéder à la première épreuve. Première épreuve qui s'intitule « Le juste prix de la botte de foin ». Donc, cette botte de foin, le prix à deviner, c'est le prix du transport, de la botte et de l'aiguille de 10 000 euros. Ok. On va tout simplement écrire le prix qui nous semble être le plus proche. Le plus proche remportera le bonus, le moins proche, le malus. Ok, alors... 3, 2, 1, 10 350, 10 351, 10 469, 10 467,32. Combien ça coûte? 10 046. Oh. Ça me fait plaisir, Brice. C'est pour bon, moi. Désolé, Léa, mais on n'a pas de malus. C'est déjà ça, non? Marine, j'ai un truc à t'annoncer. Je suis désolé, Léa. Ils m'ont acheté 30 balles. C'est pas cher, j'en veux une. Donc Marine, je vais piocher le malus. Tu vas voir, ça va être bien. C'est moi d'abord? C'est toi d'abord. C'est moi d'abord. Alors qu'est-ce que... Pendant combien de temps? Il est tout seul? Être tout seul. Être tout seul, pendant combien de temps? Pendant 15 minutes. 15 minutes? Tu vas avoir la possibilité d'être tout seul à chercher pendant 15 minutes. Et tu... ça veut dire que tu peux chercher n'importe où en vrai. Tu peux changer de spot si tu veux. Ah non, je viens de lire mon malus. Oh! Faut que j'annonce avec Marine. Marine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est un malus chiant, mais il va bien avec ta tenue, c'est les mêmes couleurs. Oh là là, je crois que j'ai l'idée, hein. Ouais. Regarde, ils te vont super bien. Je vais dire un truc tout de suite, ça va être maintenant. Si jamais tu trouves l'aiguille avec ça, je double à 20 000. What? Parce que je sais que c'est impossible. Bonne chance, Rocky 4. Et qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, il y a une stratégie. Tu frappes la botte pendant 15 minutes en espérant qu'elle se plante dedans. Non, mais peut-être qu'elle va avouer. Benjamin, t'es sur Marine au niveau de la complexité de la situation? Au moins, tu mets de la bonne volonté. Je suis désolé, je me sens coupable de fou. Bah tu peux, hein, si tu aurais perdu. Marine, comment ça va? Je sais que... Oh, tu sais, tu m'as fait peur, là. Je me suis dit, imagine, elle est là, comme ça, plantée, là. Ça aurait été 20 000 balles. Oublie pas que tu l'as dit. Ah, par contre, je serais vraiment trop content, quoi. Même si mon comptable serait moins, moi, je serais vraiment heureux. Allez, 2 minutes pour gagner 20 000 euros.
Marine, j'ai une bonne nouvelle. Il est 51. Bravo. Tu peux retirer tes gants. Après, tu peux les garder si tu trouvais ça mieux. Non, non, non. Je vois ce que tu veux dire. Bah écoutez, du coup, je vous annonce que vous n'avez plus le droit de participer. C'est le bonus de Brice qui s'active tout de suite. Il a le droit de chercher tout seul. Il est le seul à pouvoir trouver l'aiguille pendant les 15 prochaines minutes. Est-ce que tu changes de tactique? Tu essaies de l'attaquer par là? Franchement, moi, je viserais le centre, quoi. Ouais, ouais, moi je taperais là. Je sais pas, je me trompe peut-être, hein. J'ai envie de croire qu'elle est pile au centre, quoi. J'ai trop envie de l'aider, là. Ça me fait chier de rester là comme un connard à rien branler. Elle est pas là. Brice, j'ai une question. Voilà, en fait, quand on fait des réunions avec la prod, on écrit des malus et des bonus. Et je me demande si ça, c'était vraiment un bonus au final. Disons qu'ils font une pause pas. C'est ça. Là, ils sont en train de boire un caf, tranquille. Et toi, t'as très peu de chances de la trouver pendant les 15 prochaines minutes au final. Allez, Brice. Non, je le démoralise pas, hein, c'est pas ça que je fais. Mais je me disais, est-ce que c'est vraiment un bonus? Pourquoi? Bah, les autres, ils sont en train de boire un Coca-Cola, ils prennent des petits biscuits, ils font une pause et lui, il cherche. Et il a très peu de chances de la trouver. C'est vrai que... Je te jure. Mais je mens pas comment. Des fois, juste Marine, elle lâche des regards de... Elle regarde un truc, je suis en mode... Ah non, il y a juste un truc qui gratte sur le bras. Fin... Oh, regarde, j'ai tapé astuce aiguille dans la botte de paille. Le premier truc qu'il y a sur Google, c'est tiens-toi bien, Brice. C'est une expression signifiant toujours la quasi-impossibilité de trouver quelque chose. C'est drôle. Tu y as cru là? Ouais. Oh, fais voir. Vraiment cru. Il s'agit bien d'une aiguille, mais elle n'est pas approuvée par notre huissier de justice. Elle est belle, hein. C'est vrai qu'elle est belle. C'est terrible ce qui vient de se passer là. C'est vraiment la bonne taille, ouais. Tout. C'est la version bois, quoi. Aïe, 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 le quart d'heure est écoulé. C'est parti. À vos pailles. Nous allons faire un petit test. L'un des bonus des épreuves, c'est l'aimant, qui est évidemment un des plus gros bonus possibles. L'aiguille est juste là, c'est une aiguille test. Celle-ci vaut 0,02 centimes. Elle ne provoquera pas la victoire. On est à peu près à 10 centimètres. Ok, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est mieux que des gants de boxe. Ça, on peut le dire. C'est mieux que des, ouais, je sais ce que tu veux dire. Non, c'est assez probant. Je pense que ça va faire en sorte qu'à la fin de la journée, il y aura une fin de journée. Voilà, bah, c'est une bonne nouvelle. Vous entendez, il y aura un gagnant parmi vous. Et ce sera Victor. Alors, qu'est-ce que tu fais du coup maintenant? Tu as changé de... Non, toujours sur la quantité, on change pas. Donc à la base, tu m'avais dit qu'éventuellement tu te remettrais sur celui-là, mais... Je l'alimente encore un peu et je compte sur toi pour choper l'aimant. Et ouais, là, ok. Voilà. L'aimant, okay. Et puis voilà, comme ça après, ça défile. J'espère. Du coup, je saurais pas quelle est l'épreuve de l'aimant, mais je vais essayer de gagner ouais, un là. Ouais, là, il faut, là. Je compte tout sur toi, là. Comment ça va? Comment tu vis cette situation? C'est dur? Minutieux. Ok. Comment tu vois les prochaines heures et même les prochains jours? Non, peut-être pas quand même. Long. Non, mais ça va? Tu vas réussir à tenir? Oui, bah oui. Ok. Je suis là pour ça. Ok. J'aime bien, je t'avoue, je vais pas te cacher, hein, j'aime bien la stratégie de Victor. Mais et j'ai l'impression que c'est devenu la stratégie de Léa aussi, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus sur la quantité que la qualité. T'es resté sur la qualité, mais en fait, je saurais pas définir quelle est la meilleure strat non plus. Moi non plus, en fait. Moi, je me dis, au moins là, tu la louperas pas en faisant ça, quoi. Je peux te parler en privé, Victor? Écoute. Vu qu'on avait beaucoup de mal à savoir combien de temps ça va durer ce concept, je pense que la prod s'est dit ce serait dommage que quelqu'un la trouve dès le début. Tu vois. Ouais. Me dit, mon avis, elle est pas en surface. Quoi. Est-ce que tu tenterais pas Non, mais c'est pour ça que je suis en train de creuser là d'un côté. Okay. Je suis à la deuxième, tu sais, vu que c'est enroulé, je suis à la deuxième. Deuxième couche. Ouais. Ok, d'accord. Mais franchement, de temps en temps, des bonnes poignasses bien profondes. Ok. Voilà, tu vois, une sortie des du contexte, c'est bizarre, mais. Parce que je veux dire, aller peut-être un peu plus en profondeur pour tenter le beau jeu, quoi. Ouais, ok. Je vais faire ça. Bah, comme tu veux, tu vois. Fais comme non, tu veux. Non, c'est pas bête. Allez, bon courage. Hein. Si t'as besoin de quelque chose, tu dis. Hein. Monsieur, bonsoir. Nous allons procéder à la deuxième épreuve. Ah. Afin d'apporter à notre boulin... Un petit bonus pour Brice. Ou un petit malus pour Brice. Comme par exemple un pisto pince. Oh. Vous découvrirez cet objet, c'est l'objet fétiche de Thomas. Oui. On va se diriger vers l'activité mini-golf. Ah. Oui, on a un mini-golf. Quel plaisir. Tout de suite, c'est parti. Ouais, j'ai choisi mon putter. Ah, ça commence comme ça direct là. Ah ouais. Donc on a un petit parcours de 3 trous. Voilà, un parcours en 3 trous. Classique, hein. Attends, on a quand même un mini-golf dans le hangar, c'est incroyable. Oh, direct. Oh. C'est Tiger Woods ou quoi un peu? La ferme. Ça perd pas de temps ici. 3, 5. Oh.
Marine va être contente encore. Ouais. C'est vrai que Marine, prépare-toi à pas avoir de bonus. 9. En seulement 19 coups. Pendant ce temps-là, dans la paille. J'ai le pire coach. Oh là là là. Oh, pas mal. 2. Marine, ça part mal. 4. 4. Oh, t'es au même point que j'étais en vrai. Oh là là, quel beau gosse. 5 coups seulement. 5 coups. Faut que je me débarrasse de cette blague. Harry Potter, c'est pas génial. C'est moi la sortie. Rien, ça fait du bien. Viens là, viens là. Là, là. Oh, j'ai purgé. Harry Potter. Oh là. Ah, mais bien en fait. C'est bien. Okay. Ouais, c'est vraiment bien. Oh la vache. 4. Oh. Ça, ça fait 2 coups. 6. Bravo Thomas. 8. Je vais peut-être être à 2 chiffres, Victor. Vas-y, un peu tout, vas-y. Allez, la dernière, allez, la dernière. Pour le voilà, dommage, 12. Allez, c'est à moi. Marine, c'est plus si mal. L'échec. C'est pas grave, franchement. Vraiment, tu tapes pas avec le bon truc, quoi. Bien, bien, bien. Il attend bien. Oh. 5 aussi. Le coup de la coude. Deuxième trou. C'est bien, c'est bien. Oui. Oh là là, dommage. Oh. Marine, c'est pas si mal. Ça se tente en droit direct, là. En droit direct, ça se... en direct, droit non, société. Ça c'est impossible. Oh, mais quel beau gosse, j'en peux plus. Putain de bâtard. Oh là là. Oh, presque pas mal. Bien joué, c'est une égalité. Non, ça me fait chier, j'ai envie de gagner, là. C'est fort. Oh, le bâtard. Oh, le salaud, il l'a tenté comme ça, quoi. Oh, le bâtard. Il a fort de coup. On passe sur le green suivant. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est excellent. C'est incroyable. C'est excessivement bon, ça. Le tourbillon de la mort, comme on l'appelle dans le milieu du mini-golf. Oh là là, 2. Waouh. Pour toi, Marine, tu m'entends? Toujours en vue FPS, il est très fort. Putain, mais c'est fort ça, mais... Oh, yeah. Oh my god. Oh my god. Bah voilà. Tu vois quand tu veux. Allez Thomas. Franchement. Oh. Hop là. Je suis pas du tout en position de faire ça. C'est encore possible ou pas? C'est encore possible. Victor, il y a encore un espoir. Victor, il n'y a plus d'espoir du tout. Ça. Ah, hey, elle a failli ressortir. Tu dois faire moins de 6 pour gagner. Oh. Ça, c'est... Comment on fait, là? Il a 2 et il faut redémarrer au point de départ. Ça commence bien, ça commence bien. Oh, oh là là. Attends, et là, il me reste combien de coups pour gagner? Faut la tenter, quoi. S'il la met, c'est incroyable. Ouais, si tu la mets, c'est incroyable. Et là, ouais. Yvan qui a fait une saison magnifique. Saison en 3 trous. Oh, le champion. Une fois aussi en 97. Avec ta femme. Yes. Bravo. Yes. Bravo. Franchement, je peux que m'incliner. C'est pour toi, Brice. Putain, bravo. Désolé. Non, franchement. Bravo, Thomas. C'est le dépouillement des bonus. Aide de son coach. Je vais pouvoir l'aider. Je vais pouvoir enfin l'aider. Je vais pouvoir enfin l'aider. Tintin. Ça fait 2 heures. Meilleur bonus. Mais ouais, c'est trop bien. Ouais. Ah c'est trop bien. C'est trop bien. Il est content. Il est content de ouf. T'as mérité. Moi, à mes yeux, c'est un bonus. Ok. C'est la pince. Ça sera tout autrement appelé le pisseau pince. C'est vrai que t'en parles depuis le début de cette chaîne. Bon, peut-être pas parce que t'étais pas là à une époque. Ouais. Mais t'en parles depuis un an sur cette chaîne, le fameux pisseau pince. Est-ce que tu peux aller le chercher sur l'établi et nous ouais, le présenter? Montre-nous. Montre-nous. Alors c'est un peu technique. Donc me coupez pas dans mon explication. Ok. Okay. En gros, c'est ça. T'appuies et ça fait la pince. Il y en a enfin, deux. C'est tout. Allez, on y va. Ah, il y a double. Ah, tu l'enfiles deux ou pas? Comme ça, il pourra faire comme ça. Je te laisse présenter le pisse-pince à ton poulain. Et je te laisse aller aider Brice pendant 15 minutes. C'est parti pour les malus bonus pendant 15 minutes. Alors, t'as ramené de la nouvelle paille ou c'est quoi? C'est ton tas? Qu'est-ce que... Est-ce que je peux ramener un peu de paille? Ok. Ouais, putain, je sais pas où aller chercher. J'ai envie de rendre là, moi. Victor, comme t'as pu le deviner quand j'ai hurlé « J'ai perdu Victor !» Oui. Eh ben, tu as un malus que je trouve assez sympa, c'est que je t'en donne un, c'est ce qu'on appelle une piste aux pinces. Et c'est comme ça que tu dois chercher l'aiguille. Très pratique. Voilà. Très pratique. Je peux pas utiliser mes mains? Non. Piste aux pinces pendant 15 minutes, je suis désolé, je vais vraiment essayer de me rattraper Victor. Ouais, là, je te le promets. Ouais. Putain, c'est horrible, ils font ça depuis 2 heures, quel enfer. Bon, les gars.
Je suis désolé pour cette épreuve. Non, j'étais vraiment très très bien. Ouais, mais oui, mais Yvan, il m'a sorti une masterclass, un deux coups au milieu. En vrai, t'as fait de ton mieux jusqu'à la fin et puis voilà quoi. En fait, ouais, c'est vrai que je me suis un peu effondré sur le dernier trou, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a aucun regret, franchement. Non, je suis déçu un peu. Mais on garde espoir. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de malus. J'ai une dette envers toi, Victor. Comment ? J'ai une dette envers toi. Ouais. Je te jure, pétanque et voiture, je les gagne. Allez. Les deux. C'est fou parce que tu sais pas trop comment t'y prendre et t'as peur de passer à côté quoi. J'ai trop envie de chercher, j'en peux plus. Ben ouais, non mais... C'est trop bien là. Les gars, je me suis engagé à gagner pétanque et voiture pour Victor. C'est vrai ? C'est dit oralement ? Ouais. C'est filmé hein ? Ouais. Pétanque et karting ? Et ouais. Ah, karting... Ouais, je sais bien. Ah, je t'ai vu le manier le truc hein. Ouais. Bon. Ouais. Mais je vais tout donner quoi, ça veut dire. Ça va être marrant quand elle sera complètement défoncée, qu'il y en aura partout et qu'on se dira ben on l'a toujours pas. Je suis pas sûr que marrant soit le mot mais... Non, si si. Maxime. Quoi ? Victor ne sait pas du tout utiliser la piste en pince. Il l'utilise tel un râteau. Oh le nul. Il sait pas faire hein. Mais j'ai de la bonne volonté Victor. Si jamais tu gagnes, voilà. Ouais. J'ai le bonus. Il faut que j'étale ça et que je passe dessus comme ça. Oui, de ouf, de ouf. Clairement je vais essayer de t'avoir les mains. Ça marche, je vois ce que tu veux dire. Très bonne strat, très bonne strat. Faut pas que j'ai peur de me faire mal en fait. Faut que je passe ce cap là. Je sais pas si c'est au bout de une heure que tu passes ce cap de je m'en bats les couilles, j'y mets les mains et... Si je me fais mal, c'est tant mieux. Bah, merci pour ton aide en tout cas. Ah bah ça m'a fait plaisir. En tout cas, Nathan, je peux vraiment parler de la discipline quoi. Parce que j'ai tâté le terrain. Et je me rends compte qu'il va te falloir beaucoup plus de Red Bull. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2. C'est fini! On lève les bras, Yvan! Bravo! Qu'est-ce que tu nous as préparé, Yvan? Ouais, pause déj! Allez, prends sur le sandwich choton! Zéro Martin! Ah, on sent que ça a mangé là, ça repart flambant bon! Putain, y a un regain d'énergie incroyable! Étienne. C'est moi! Thomas, Yvan. Maxime, tous les prénoms se chiant là, non ? Non. Je fais comme ça. Ça passe. Brice, Léa, Victor, Marine, Théo, Yann ici, Benjamin, Solène, Fabien, Pauline, notre président de la République, Emmanuel. Emmanuel. Qui n'a pas pu venir. C'est tout le monde ? Ta maman ? Christelle. Ton papa ? Bernard. Bon, c'est fini les prénoms ? C'est bon. Super, allez, super. On joue. Oh, hyper long. Prochaine épreuve, l'épreuve tant attendue. Vous avez cliqué pour ça ? Non, vous avez cliqué pour l'aiguille dans la botte de foin. Nous allons effectuer tout simplement une course de mini-karting autour de la botte de foin, c'est-à-dire cette séquence gênante où ils sont en train d'en chier et nous on s'amuse terriblement c'est vrai. Tournant autour d'eux. Ça va se dérouler en 5 tours et tout simplement le premier arrivé a un bonus, le dernier arrivé a un malus pour son poulain. C'est tout bon pour vous ? En position sur la grille de départ. T'es à 11 toi ! T'es à 11 ! Prends-toi la boîte et casse-toi ! Ah ! Parfait ! Oh la vache ! Je suis premier Victor ! Ça marche pas ! Pourquoi ? Jeanne ! Je te laisserai pas l'inter mon pote ! Non ! Oh c'est Thomas qui va gagner, c'est fou ! Ça marche pas ! C'est fou, qu'est-ce qui se passe ? J'ai qu'une truc qui marche ! J'ai qu'une roue qui marche ! Oh Thomas, je suis en train de le rattraper ! Dites à Ivan de sortir de la piste ! Non, barrez-vous, vous me gênez ! Waouh ! Oh non ! Non ! Je suis désolé Brice, j'ai tout fait pour ! C'est fini ? Vas-y, passe pour que je célèbre ma victoire. C'est fini ? Oh putain, fais chier ! Merci, mais t'as gagné, mec ! Je comprends pas ce qui se passe sur cette chaîne. Il a gagné ! Bien joué ! Putain, mais mec, t'as gagné ça ! C'est fou ! Tu t'étais engagé à ton poulain, va lui dire que t'es pas un raté ! C'est gagné, Victor ! C'est pour toi ! J'ai besoin de toi, Étienne. Oui. C'est la FIA, le truc de F1 ? Ouais. Si on respecte, il y a beaucoup de choses qui sont respectées du règlement de la FIA. Son comportement ? Oui. Tu tournais comme un truc au milieu, là. Oui, il était dans Mario Kart, il était beau avec Romain Grosjean et tout le temps, toi. Bon, c'était incroyable, tu as fait une course constante, t'as pris des risques, t'as su garder ta bonne humeur et ta fraîcheur. Ouais. Oui !
C'est fini. Nous allons passer à l'ouverture des enveloppes, le dernier étant Yvan, et ça fait plaisir. Ah Brice, toujours avoir des bonus. L'enveloppe bonus, elle est pour toi. Merci. L'enveloppe malus, elle est pour toi. Alors vas-y, qu'est-ce que c'est le malus? Je crois que ça va éteindre les lumières, quoi. Lumière interdite. On va plonger tout le monde dans le noir. Les autres, ils auront des frontales. Toi, t'en as rien à cause de cet extrait dans la course. Moi, je t'ai vu comme dans Mario, quand il y a des trucs qui écrasent, fallait que je passe entre les deux. Moi, j'étais un obstacle, quoi. Clairement, tu faisais partie du décor. Alors donc, tu as dit que personne n'aurait de lumière sur cette truc. Ouais. Victor va avoir de la lumière. Ah, lumière autorisée pour Victor. Voilà comment ça va se passer. Le hangar va être plongé dans la pénombre la plus complète. Le malusé, à savoir Brice, n'aura rien du tout. C'est-à-dire même pas une frontale, rien du tout. Le gagnant aura une lampe frontale avec la possibilité d'éclairer en blanc. Tandis que les deux restants auront une lampe frontale mais qui éclaire seulement avec une petite loupiote rouge à la con. C'est-à-dire que c'est mieux que rien, mais c'est quand même pourri. C'est pas ouf. Donc voilà les trois stades. Pas de lumière, lumière rouge, lumière blanche, c'est parti. Mesdames et messieurs, extinction des lumières. Waouh! Grâce à des procédés infrarouges, vous pouvez continuer à suivre cette vidéo en toute impunité. Bravo à vous! Il est 42, c'est parti pour 15 minutes! 15 minutes dans le noir, let's go! Alors Brice, on passe un bon moment? Allez. Oh non. Je l'ai! Non, je non, l'ai. Non! Je l'ai! Quoi? Mais en quoi c'est à ce moment-là? Mais quoi? Elle s'est accrochée à mon doigt, je l'ai! Quoi? Mais viens ici, viens ici, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a de... Bah oui. Elle est rose, vraiment ça s'est planté. Tiens, prends-la, c'est l'aiguille la plus chère de ta vie. Prends-la, garde-la, ne la fais pas tomber. Je suis à deux doigts de pleurer. On vient d'éteindre la lumière. Mais ça fait que 2h44. Mais c'est vous. Là, franchement, je m'y attendais pas à ce moment précis. C'était le pire moment de la vidéo. J'aimerais vouloir vous voir ce que t'as vu, mais genre, c'est dingue. J'ai juste fermé, j'ai senti un truc s'accrocher à mon doigt, j'ai rouvert et c'est resté bloqué. Tout de suite, très rapidement, une radio du doigt. C'est ça que ça a donné. C'était jusqu'à l'os, putain, c'est incroyable. On va se mettre en position pour un petit débrief et c'est fou, félicitations, on peut applaudir quand même. C'est 10 000 euros, 10 000, à chaque fois que je le dis, ça lui provoque du plaisir, ça provoque du somme. Mais, désolé. Ce n'est pas fini. On part sur une énergie incroyable. Parce que tout est faux sur YouTube. La prod a élaboré un énorme chèque en carton qui n'est pas valable à la caisse d'épargne. Voilà. Et on réapplaudit, bien sûr. Oui. Oui. Le chèque, l'échec. Merci à tous. Merci à tous. Je te le reprends. Non, après, tu en auras un vrai avec marqué genre la banque dessus. Okay. Genre le vrai de. Pratique, très ouais. Pratique. Et comme vous avez quand même fait une tâche très nulle et très longue, vous avez droit à un petit cadeau qui est caché dans la poche depuis tout à l'heure. Des petits AirPods. Oh. Sympa, bien sûr. La journée est quand même assez bien payée. Merci à tous. Voilà, c'est cadeau. Et on part encore sur des applauses parce qu'on est à la télé. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Attention, il y a des applauses encore qui arrivent. Ils sont pas loin. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Premier lien dans la description, le code AMXM. Merci d'avoir cherché dans de la paille des aiguilles. C'était chiant. Jusqu'à vida. Tchou! Les gars, je vous donne 1000 euros si vous trouvez les lignes. Mais pardon, arrête! Non, mais non, c'est stressé. 58 secondes, c'est parti! T'attends juste de te faire mal, quoi. Ouais. Non. J'ai vraiment cru que c'était pas du chic. Allez, 43 secondes. Les gars, faut juste se mettre à poil, se rouler dans la boîte et attendre que ça pique. Ah! Je vais tomber, je vais me faire écraser par la boîte. Est-ce que visuellement c'est un peu. Non, mais attends. Maxime. Je saigne. Ah. J'ai mis la main là. Ah. Attends. C'est bon, dégage. 25 secondes. Ah. Non. Pas comme ça. Tiens. Pas ça, Zinedine. Pas comme ça. J'adore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas comme ça. Et non. Oh merde. Putain. Putain.
j'ai failli. Non, bah, voilà, c'était cadeau.